Bonjour, bonsoir, salut, c'est SoGoGeek et aujourd'hui, vidéo un peu annonce pour expliquer de pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de vidéos, il n'y a pas eu beaucoup de streams. Voilà, c'est juste que je suis en plein déménagement, comme vous pouvez voir avec tout ce bordel. Voilà, là, c'est tous mes cartons. Et du coup, aussi, c'est pour tranquillement un peu parler des nouveautés, un peu des vidéos que j'aimerais sortir, essayer de monter un peu en avance, etc. Donc voilà, c'est juste pour vous donner des bonnes nouvelles, de gauche à droite quand même. Bref, du coup, je vais vous parler un peu des projets vidéo que j'ai envie de partager et aussi de publier au plus vite parce que ce sont des projets que j'ai envie de mettre sur la chaîne et je pense que pas mal de gens connaissent au moins quelques vidéos. Alors bien sûr, la première est tout simplement Henry Stickman, ce Hugo Snyder Cut, et à la traîne beaucoup, mais voilà, c'est que j'avais pas mal de temps avec le boulot un peu et du coup je pouvais pas trop bûcher là dessus. En plus de ça, j'avais tout simplement pas eu trop la motivation. C'est que si vous voulez, des fois j'avais des idées intéressantes, je me dis ah c'est bon, j'ai eu la meilleure idée, je l'ai placée, mais voilà, il faut faire à peu près le doublage et tout, et surtout que le fait de faire toutes les fins possibles, c'est un peu compliqué parce qu'il faut que je réfléchisse aussi à au choix des fails à mettre, parce que des fois mettre des fails ça peut être très drôle dans le montage quoi, et j'avais réussi à le faire, mais voilà, c'est que c'est compliqué de justement choisir des fails là dessus. Et surtout dans cette version Hugo Snyder Cut, c'est que il y a surtout un côté de mise en scène que j'ai envie de mettre sur la vidéo pour que ce soit pas un simple copier-coller et juste qu'on explique les fins, etc. Donc voilà, parfois ne rien dire là-dessus. Donc voilà, parfois vous gardez la surprise et attendre que l'application de la vidéo soit en ligne. Ensuite, comme autre projet vidéo que j'ai envie de mettre en place, c'est tout simplement les projets un peu montage comme avec ce que j'avais fait sur Wadadidou. Donc j'avais un petit côté créatif là-dessus et j'avais plusieurs attentions, j'avais même fait des miniatures en avance pour me dire au moins j'ai la miniature, c'est déjà bien. Mais voilà, c'est que le souci c'est que Smash, des fois là en ce moment j'y joue entre des fois avec des amis, mais pour l'instant il faudrait que j'essaie d'avoir la motivation de jouer en ligne parce que tous les clips sont bien sûr entre amis, hein. Donc voilà, du coup il faut quand même que j'ai envie de refaire ce style de montage. Et par exemple, il y a même maintenant des nouveaux jeux qui commencent à sortir du style de Smash que j'ai envie de faire. Mais voilà, il y a pas mal de petits jeux comme ça que j'ai envie de faire du montage comme j'avais fait pour le Roi des Hidoux. Mais par exemple, il y avait le plus gros projet que j'avais à l'intention, c'était tout simplement Fall Guys. Voilà. Et bon, au début, c'était tout simplement un montage rigolo pour rigoler là-dessus sur Fall Guys pour montrer vraiment le jeu VR que j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, il y a bien sûr peut-être d'autres jeux VR que j'avais bien envie de faire du montage, mais plus Fall Guys maintenant que comme jeu VR que je joue. Donc voilà, il y a quelques petites idées de gauche à droite intéressantes là-dessus que j'avais beaucoup aimé, mais j'avais fait que le début. J'ai l'idée de la fin, mais j'ai pas le milieu et la motivation pour le milieu. C'est qu'il faut chercher les idées du milieu et j'ai l'idée du début, j'ai pas eu le truc de la fin, mais voilà. Ensuite, là, on va parler maintenant des vidéos qui sont pas filmées encore ou qui sont en train de commencer à être montées tranquillement en avance. Mais voilà, juste pour prévenir, c'est des vidéos que j'ai bien envie de faire. Déjà, la première, c'est tout simplement une vidéo faite par monteur. Et du coup, c'est tout simplement un petit montage Mario Kart qui va être très drôle un peu. J'ai essayé de faire à peu près une introduction comme elle a avec celui où j'ai combattu Ponce. Donc voilà, au moins l'introduction est faite et j'espère que le monteur va bien avancer là-dessus. Bisous souffle, hein, si tu vois de la vidéo. Ensuite, les autres vidéos qui sont pas encore filmées et que j'attends justement la fin du déménagement, c'est tout simplement des reviews de livres, parce que bon, la première c'était pour rigoler pour mon pote Pasta, pour dire regardez ça, c'est vraiment comme un DC Comics, etc. Voilà, c'était quand même très drôle à faire, et du coup je me suis dit que ça peut être très drôle aussi de faire pour d'autres amis, etc. Notamment un que j'espère le recevoir dans la semaine, hein. Mais surtout il y a une review que j'ai bien envie de faire comme vidéo et tout, mais je sais pas comment je vais faire, est-ce que je le fais en plusieurs parties ou un seul partie. Et ce serait tout simplement de faire des reviews sur les mangas Kirby. Faire les reviews de ces trois mangas. Bon, et là, c'est un manga, je vais pas trop spoil. Mais voilà, c'est à peu près des lectures que j'avais envie de partager. Faire une review sur les trois pour vous dire à peu près lequel était le mieux. Si certains voulaient tout simplement découvrir la licence Kirby, avoir une petite lecture chez soi de Kirby. Parce que voilà, j'ai rigolé beaucoup sur la vidéo Bebou. Mais je me suis dit que ça peut être très drôle de justement faire une review des trois pour vous faire un retour là-dessus, parce qu'en vrai ils sont très géniaux, mais voilà, faut bien que j'argumente pour tout simplement dire lequel est le mieux entre les trois. Donc voilà, j'essaierai de faire une vidéo soit en un
avec les trois, soit vidéo séparée pour tout simplement faire une review là-dessus, voilà. Et enfin, ça c'est pour la chaîne secondaire. Là, j'ai joué pas mal de fois à Isaac, même regardez, là je refais un gameplay de Isaac. Et du coup, ça serait une petite vidéo pour tout simplement discuter sur les parties, etc. Pour que je partage un peu mon retour là-dessus, de quels sont les succès que j'ai débloqués, etc. Pour éviter de quand même d'être trop perdu avec les personnes qui doivent peut-être suivre Isaac, même s'il n'y a pas beaucoup de vues là-dessus, ou même de personnes qui regardent tout le temps la run entier. Mais voilà, ça me fait plaisir un peu de justement partager un peu de ce qui était hors stream, hors gameplay. J'avais enregistré quelques gameplays, juste quelques screenshots que j'avais fait, mais rien de plus, rien de moins. Du coup, ça parfait pour faire une vidéo un peu pour discuter là-dessus. Ça sera souvent sur la chaîne secondaire. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour tout simplement parler des news sur les montages. Donc j'espère au moins de les faire avancer, parce que par exemple, j'avais fait une vidéo pour dire, ouais, il y avait telle vidéo, etc. Je crois qu'il y a même un quart qui n'est pas encore sorti, ou la moitié. Donc j'ai très peur que j'ai envie de dire, ouais, bon, finalement, le projet Folia, dégagé. j'ai envie de le faire, mais il faut que j'ai de la motivation. Il y a aussi le déménagement qui mélange un peu tout. Donc voilà, j'ai envie de faire un peu tout, mais pour l'instant, c'est encore un peu mieux. Tranquillement, attendre tout simplement la fin du déménagement pour permettre à retourner sur YouTube ou retourner sur... D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre mon Twitter, parce que je fais un peu de l'actualité sur le déménagement, sur tout ça. Comme ça, vous pouvez voir peut-être le nouveau bureau. Là, pour l'instant, il est encore en place, il est encore en préparation, donc voilà. Parfois, vous pouvez attendre. Et voilà, tout simplement à dire ça, et puis en fait, les vidéos reprendront à un rythme normal, le moins possible, tout simplement. Quand le déménagement sera terminé, quand j'aurai le travail terminé aussi. Bref, passez une bonne journée et puis on se retrouve dans une vidéo, je ne sais pas quand. De toute façon, tout est dans la description et puis passez une très bonne journée.